peut se poser la question sur l'attitude de Macron qui, visiblement, a désigné la Russie comme un adversaire potentiel immédiat. Le même Macron qui avait dit il y a peu de temps, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Élysée après la réception de Zelensky, ou pendant, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais je pense sincèrement que soit Macron a pété les plombs, c'est possible, il est énervé, il pète les plombs, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Faut mieux éviter que ça arrive en public, mais bon. Tant pis. Soit, et c'est ma pensée plus importante, c'est un calcul politique encore du président Macron qui se dit comment occuper l'espace médiatique, ça c'est sa lubie, c'est son rôle d'acteur en quelque sorte, son principal rôle, et ainsi, en occupant l'espace médiatique, je vais pouvoir, moi Macron, demeurer au pouvoir. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il veut rester. Il est le. Il, genre, je fais une œuvre énorme. Hein, je vais laisser quelque chose derrière moi. Donc, proposer une guerre contre la Russie, d'abord, c'est complètement débile, parce qu'on n'en a pas les moyens. Faut le savoir. La Russie, actuellement, rien n'empêche les Russes d'envoyer tout son peuple. Hein, tout leur peuple au casse-pipe, que nous, on n'a pas ces moyens-là. Donc déjà, c'est bizarre comme attitude, mais surtout, cela procède, à mon sens, d'un calcul avec arrière-pensée politique importante pour pouvoir, encore une fois, et je le dis et je le redis, comme j'avais fait cette vidéo où j'avais intitulé, je crois, Nous serons en guerre, qui était prémonitoire, mais c'est le principe même de Macron, c'est de ne plus laisser d'espace aux autres. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent, Macron, d'ailleurs, quand il fait des annonces, il squeeze son Premier ministre. Il l'a fait avec Madame Borne dernièrement, il l'a refait il n'y a pas longtemps là, avec Mini Macron, et ça, c'est quelque chose de symptomatique de son attitude politico-démentiel, hein, si je peux me permettre d'inventer ce nouveau mot. Les socialistes, ils en inventent, alors pourquoi pas moi? Donc, politico-démentiel, parce que là, on est à la fois dans la politique et dans la démence, hein, c'est un grand mélange des deux, ça va ensemble, hein, vous ennuyez pas, ne vous tracassez pas, ça va vraiment ensemble. Et donc, Macron, là, il a occupé l'espace à un tel point qu'il s'est fait rejeter quand même, il faut le savoir, parce que nos médias sont pas très causants sur ce sujet, par hein, tous ses alliés, c'est-à-dire principalement l'Allemagne, l'Angleterre, les pays du Nord, enfin tout le monde, y compris l'OTAN. L'OTAN qui s'est désolidarisé des propos du président Macron, il faut le savoir. Ça, c'est presque passé sous la trappe. Hein. C'est qu'il faut pas, il faut pas, hein, il faut pas dire des choses dans ce pays, surtout si t'es pas à gauche. Alors là, t'as pas le droit, hein, ça c'est pas bien du tout. Bon, mais on va les dire quand même. Et j'ai même eu la déclaration de Mini Macron qui a dit, tenez-vous bien, parce que ça, je suis resté presque ébaubi, hein, étonné. Alors Mini Macron a dit, je cite, que Marine Le Pen serait en train de fournir des armes aux Russes. Alors là, il l'a dit en public, hein, c'est pas une invention. Hein. Et je dis, là, lui, Mini Macron, il avait déjà pété les plombs. Hein, c'est comme son maître, c'est la voix de son maître. L'autre, il pète les plombs après, lui, il les pète avant. Donc c'est du grand n'importe quoi. J'imagine qu'à ce moment-là, Marine Le Pen a dû bien rigoler et se dire. Qu'est-ce qui fait que ce pouvoir est aussi ridicule et me rend ce si grand service? Bah, je vais répondre, hein, puisque je suis là pour vous parler. C'est très simple. Le but ultime, c'est d'avoir une confrontation entre l'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite, ça fait peur, hein. Attention. Ça, c'est sérieux, l'extrême droite. Ça fait très peur, hein. C'est pas comme certains, là, d'une religion d'amour, eux qui coupent les têtes, etc. Non, l'extrême droite, c'est très, très dangereux. Et donc cette extrême droite,
représentée soi-disant par Marine Le Pen, je ne sais pas où ils ont été chercher ça, doit être absolument l'adversaire du candidat finaliste de la Macronie en 2027. Et je suis presque prêt à, j'aime pas ça dire parier, mais presque prêt à le parier, Macron va trouver un subterfuge pour se représenter dans l'intérêt supérieur de la France face à cette guerre que lui-même aura déclarée éventuellement, pour sauver le pays en danger, la nation en danger, etc. On va nous refaire le chant du partisan et tout ce truc-là. Voilà. Donc, on en est là. On est dans un monde visiblement politique complètement coupé des réalités. On est dans un monde politique qui est nombriliste, qui est désastreux et surtout où règne en maîtresse absolue l'incompétence. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Et je vous dis à toutes et à tous, merci d'avoir écouté, merci de partager, etc., etc. Et vous le savez, on est mal, on est très mal, mais l'autre là-bas, il est encore plus mal parce que lui, il est plus proche de Sainte-Anne. Allez, merci, au revoir.